c'est là. Bonjour tout le monde, bienvenue en salle de presse de la Commission. Good morning everybody and welcome to the Commission press room. C'est avec un grand plaisir que je vous lis le président. It's a great pleasure to present the president. Bonjour, messieurs, dames. Good morning, ladies and gentlemen. Well, it's snowing in Brussels. C'est qu'il y a pour conséquence immédiate que la Belgique ne fonctionne plus. And obviously everything grinds to a halt. Comme je dois prendre la voiture pour le Grand-Duché, j'envisage avec anxiété le passage des Ardennes, qui aujourd'hui rassemble aux Ardennes. Je suis, à vrai dire, heureux de vous retrouver. Well, it's great to be back with you because je ne suis pas très souvent en salle de presse. Although I'd like to be, cela n'est pas here, I'm not here very often. Parce que d'après Margaritis, ce qui est un homme non pas de presse mais de statistiques, il y a deux really commissaires et demi par semaine qui se présentent en salle de presse. A week, mais je fais des points de presse réguliers qui ont ceci de particulier que vous n'y assistez que très rarement. Regular parce que lorsque je reçois press announcements, but you're not necessarily always there. Le président d'un État prime minister or president from cela ne déplace pas les foules. Alors que des choses minor country visits us, then we don't get crowds here, even though there might be some very interesting issues. Whereas when Madame Merkel is visiting, you get 300 journalists, and when heads of state and il y a très peu government de journalistes, come, very mais few tous journalists, les journalistes, au moins une fois par trimestre, écrivent que les petits États membres, les États membres de moyenne importance, sont moins respectés que les grands. Réfléchissent à cet état J'avais demandé au commissaire de circuler en Europe. I encourage our commissioners to mingle and circulate in Europe. It's very important to be in touch with the citizens. We've had so far 200 meetings of this type with national parliaments, with the social partners, with civil society representatives, and I think that's excellent because we've got to be present on the ground and not just in our Berlaymont offices. Which aren't necessarily the most pleasant place to be after all. Now, difficile. Elle fut difficile à bien des égards. Dans un moment d'affaiblissement et d'affaissement autobiographique, j'avais dit que la commission que je présidais serait la commission de la dernière chance. À vrai dire, la commission fut et reste whereas la commission d'une polycrise non entièrement maîtrisée. Revisitée l'année 2015, et vous verrez que nous étions au premier semestre aux prises avec une très grave crise gravitant autour de ce qu'il est convenu d'appeler le problème grec. Nous avons su éviter, en tant que commission et en tant qu'Eurogroupe, la sortie de la Grèce de la zone euro. Nombreux furent ceux qui pensèrent que la commission avait d'autres chats à fouetter. La commission ne devait pas s'occuper de la Grèce. Nous l'avons fait parce que nous voulions le faire et parce qu'il s'agissait de la Grèce qui reste à mes yeux un des pays membres de l'Union européenne ayant beaucoup de vertus et ayant beaucoup d'avenir. Nous avions affronté au cours de l'année la crise, des réfugiés. Nous devions nous occuper de l'Ukraine. J'ai vu le président et le premier ministre de l'Ukraine au moins six fois au cours de l'année 2015. Nous devions nous occuper de la Russie. J'ai vu le président Poutine à trois reprises. Nous étions en crise avec des conséquences qui découlèrent de la réapparition soudaine du phénomène de terrorisme en Europe et ailleurs, frappant ailleurs les Européens. Where, je dois dire que le cortège des problèmes non résolus
est long et que de nouveaux problèmes vont s'ajouter à la liste. And, I'm sure further problems question du Royaume-Uni, we've got the une question issue dont of the on parle peu, et si on en parle, on énerve ceux qui doivent écouter said, le référendum néerlandais sur l'Ukraine get upset et d'autres it, problèmes. Donc, je ne me fais pas sur l'année and so, ce point à l'horizon trop I don't have too many illusions about parce the, que tout reste, comme toujours en Europe, year tout ahead. Reste difficile. Because, mais je ne me résigne pas. Je ne passe pas going to les be bras. Difficult, but, je refuse cette idée simple going to, que l'Europe s'arrête aux prises avec le début de la fin. Je ferai tout somehow, pour éviter, un, ce sentiment, et deux, une réalité pernicieuse qui pourrait découler de l'État. Mais je dois vous dire que je suis impressionné par le nombre des fragilités I qui sont celles de l'Europe, par le nombre des ruptures qui ont été Europe. Accomplies ou qui s'annoncent. Parfois, Now, il nous arrive de marcher la tête haute. Sometimes we can hold our heads up high. En fait, cela est dû au fait que nous pouvons prendre appui sur les épaules des géants because we're standing on the shoulders of the giants de ceux who qui, comme Kohl et Mitterrand et Delors, étaient Delors, les champions de l'irréversibilité. Nous devons nous inspirer de leur exemple et comparer les problèmes qui aujourd'hui sont les nôtres aux problèmes qui furent ceux des générations précédentes. Moi, je suis non pas le, mais un des représentants des générations d'après-guerre et si je compare ma vie, son déroulement, son succès, quelques petites défaites, aux biographies de mes parents, nous devons dire que les problèmes auxquels les nous devons faire face the, sont des problèmes mineurs en comparaison defeats, avec les problèmes parents, qui furent ceux de nos parents et grands-parents. La commission imperturbablement le chemin que dans le cadre des 10 priorités que j'avais mentionnées devant le Parlement européen en juillet 2014, imperturbablement goals announced to the European Parliament nous in 2014. De concert et ensemble, en and we'll work together avec complicité parfois, avec le Parlement européen and qui nous hand in hand with allié the Parliament fidèle, has become a faithful ally à chaque fois qu'il fallait, because a su, dans every time they were called on to act, relativement court, the Parliament has responded promptly. Je voudrais au début de la deuxième année pleine the de l'exercice of the du pouvoir full, de la Commission, remercier chaleureusement le Parlement européen pour ne jamais avoir manqué very warmly au rendez-vous. Et le mérite, en premier lieu, en revient present, au président du Parlement européen qui a, avec moi et contre moi, mené campagne pour les élections européennes, a toujours su faire accepter par ses collègues raison, bon sens et ambition. Nous pouvons prendre appui au sein du Parlement européen sur une coalition pro-européenne. We have a pro-European coalition in the Parliament. Les Verts et les démocrates chrétiens à des degrés we have, divers, parfois objectivement différenciables, supporters at different levels and in different ways, but we have a grand coalition of ideas and ambitions. Le Parlement européen fut responsable, il fut déterminé et il est un allié précieux pour la Commission et pour son président. Et je voudrais que cette expérience nouvelle and qui and a great fut le résultat for us de la campagne électorale de 2014 and soit poursuivie new experience avec of the electoral campaign in 2014, et la volonté is something that cette we need to build on. Qui est une
innovation. This was an innovation, a democratic innovation in terms of universal suffrage. Trouver à la fin, au bout de la piste, l'échec que certains prédisent, should this il n'y aura plus fail, en 2019 some have predicted, une campagne électorale du même type que celle qui then, fut la nôtre en 2014. Cette affaire du Spitzenkandidat n'aura plus lieu si l'expérience devait will perhaps be dropped. Connaître l'échec, et moi je voudrais que ce regain de démocratie, we ce regain de crédibilité, like, ajoute cet enrichissement de légitimité soit établi pour toujours dans les faits de l'Union européenne. Or, part of the European Union. L'heure n'est pas à l'autocomplaisance. But I don't j'avais think, dit devant it's le Parlement européen le 9 septembre 2015, dans le cadre du discours sur l'état de l'Union, State que l'Union ne se trouvait pas dans un bon état, qu'il n'y avait pas suffisamment d'Union en Europe et qu'il n'y avait pas suffisamment d'Europe in Europe and there isn't enough en Union européenne. Il resterait que le divorce entre ceux qui se croient être les élites de l'Europe et sont et qui doivent le croire, les peuples d'Europe restent grands. Et pour mettre un terme, pour jeter le pont sur ce gap entre l'Europe et ceux qui prétendent pouvoir la diriger, ne peut être jeté que par le Parlement européen et and par I think, la Commission européenne, who par les deux institutions, à vrai dire, communautaires, parce que les autres institutions d'Europe, community le sont moins institutions, à divers the other institutions, la priorité in numéro ways, un are perhaps, de l'action de la Commission gravite toujours autour de la croissance will always be et de l'emploi. Growth and jobs. Il est vrai, vu l'année tumultueuse qui fut la nôtre, que given ces considérations essentielles, primordiales, prioritaires, sont passées dans l'observation publique au deuxième plan. Pour moi, la croissance et l'emploi restent la préoccupation numéro un, et je voudrais que nous restions le chemin vers une considération plus ambitieuse des défis que nous lancent les défaillances européennes en matière de croissance et en matière d'emploi. Oui, les choses vont mieux, il y a comme un retour à la croissance. It looks as if there's a return to growth. Mais est-ce une performance? Une but, croissance when you're talking in terms of about 2% EU growth in the Eurozone, should we congratulate ourselves? De l'emploi et des taux d'emploi, du chômage et une augmentation du taux d'emploi. The increase en Europe, in employment, je reste à ce constat and qui fut fall in unemployment rates, le début qu'il s'agira de traduire en fait les conséquences vertueuses qui doivent découler de ce triangle essentiel entre la consolidation budgétaire qui reste the outcome of budget consolidation, entre les réformes structurelles still qui à moyen terme renforcent les ressorts de la croissance économique a basis en Europe economic growth in Europe. Le très nécessaire relancement des investissements en Europe. And une des premières actions de la Commission restoring investment in Europe, one of the first acts de lancer when I took over as president was to launch the investment plan in November 2014, and all the measures related to it have been put into place thanks to cooperation from the Council and the Parliament in July. Now, milliards plan qui doit remédier you know that this 315 billion impressionnant program was to remedy a serious nous lack of investment atteint un niveau d'investissement inférieur de 14% we were 14% dernière année d'après, lower d'avant crise l'année 2000
2007, et donc il y a des efforts à faire. So there's still a lot remains to be done. Now, people said that this plan wouldn't work, it wouldn't have the support of member states' governments, that the markets didn't believe that it was going to work. But after 3 or 4 months of application, then we've managed to mobilize 50 billion investment. Now, some people have said this is only applying to a handful of member states. In fact, we're present in 22 member states. And thanks to the know-how of the European Investment Plan, de ce plan d'investissement, nous avons pu lancer 42 projets. We've managed to launch 42 infrastructure projects in 22 member states, as I said, contribuera à créer which in the longer term can create 120,000 additional jobs. Petites et moyennes entreprises bénéficient déjà and we have thousands of SMEs which are benefiting from this, including in a country which seems to feel uneasy about being in Europe. And 80% of the capital is from private sources in areas such as research, energy efficiency, education, innovation, and social infrastructure. Now, I'm not claiming that it's already a success, but it's certainly not the opposite, and it really makes a contribution to the medium-term growth of Europe. And we're going to resolutely pursue this, setting up new projects and maintaining the pace of investment, which we've achieved thanks to all the efforts accompanying this investment plan. I said that at the beginning of the year we were still grappling with the Greek crisis, and then in the second half of the year we had the refugee crisis, but we've been working in a lot of other areas too. Now, a lot has been said about Greece, we've avoided the worst. A lot's been said about the refugee crisis, where we haven't really found any lasting solutions. But there are all sorts of other areas too. Better regulation, for example. And we've had some real successes there at the beginning of our term of office. Then we said that in the future we'd be focusing on doing the big things. And adopting a much more timid and modest approach to small things. And we've been true to our word. We took off the code of status agenda, some 100 draft projects, which we felt weren't really worth the effort. La même chose suivrait en 2016, 23. 23 new initiatives, launched, mean that an 80% cut in the number of proposals compared to our predecessors. J'observe de temps à autre, from time to time, même si vous n'assistez pas aux petits points de presse, even though comme je lis you don't write a lot about il this. You don't raise questions about it in the press room, but I read what you write about it. And apparently, some members of the Parliament are frustrated because we're not really providing enough material for the co-legislators to get their teeth into. Now, there are 400 proposals which are going through, and I'd like them to be dealt with as rapidly as possible. Now, in 2015, we announced the European Digital Single Market, a very ambitious approach to build a continent-wide business, which will contribute
les 250 milliards, si tout, about 250 billion to the clout of European business if the Council accepts all the proposals. And the same holds true for the Energy Union, also a very ambitious programme. A continent-wide perceptible nécessité qu'il s'agira de rencontrer d'ores et déjà. Nous sommes en train de mettre en place les interconnexions énergétiques entre les pays baltes et la Pologne, entre l'Estonie et la Finlande, entre la France, between the Baltic countries and Poland, between Estonia and Finland, between France, Portugal, l'Espagne. En fait, nous sortons la péninsule ibérique de l'ombre énergétique dans laquelle elle était obligée de connecting up the Iberian Peninsula from its previous isolation and also the capital market. En juillet 2014, everything that was announced in 2014 and approved in October 2014 by the European Parliament, all this has now been implemented. Perhaps less visibly, the same holds true of completing the Economic and Monetary Union. Nous aurons un débat sur le rapport des cinq présidents. Il est en train de se dérouler, debating the report of the five presidents. Et de it's taking place in ECOFIN and the Eurogroup. And in spring 2017, we'll be publishing a white paper on the future of the Economic and Monetary Union. Now, some of the aspects of the five presidents' report will be taken on board. But I think in terms of our perspectives, in terms of those from outside who are considering this, we owe it to them to set out the path for the Economic and Monetary Union towards 2020, and we'll do so in our white paper. Nous nous sommes mis d'accord en tant que commission d'accomplir l'Union économique et monétaire. On the economic and monetary union, de mener à bien l'union économique et monétaire. L'union bancaire est mise sur pied avec de nombreux succès, quelques réserves, mais il y a un élément essentiel qui fait défaut dans ce paysage de l'union bancaire. Et il s'agit d'une réglementation à l'échelle européenne du système de dépôt. Je sais qu'en Allemagne, ceci est une initiative chaudement débattue, mais il faut faire ceci pour autant que ce qui devrait déjà être législation dans tous les États membres soit publié dans les journaux officiels. Il ne peut en être ainsi que certains estiment qu'ils sont sollicités de façon permanente et que d'autres se dérobent et qu'ils attendent d'agir avant de voir d'autres progrès en la matière. Nous veillerons à ce que le risque, plus ou moins de charges sur les instituts financiers, trouve un reflet dans le cadre du système qui vaut pour les dépôts et aussi donc pour les répartitions de la charge. Now, de prendre très au sérieux nos engagements en matière de politique fiscale. Nous avons, suite aux débats qui furent les nôtres, saisi le co-législateur d'un système d'échange d'informations informatiques en matière de rescrits fiscaux, de taxes rulings fait, et nous restons attachés à cette idée qui est une idée de bon sens pour le reste, que les bénéfices doivent être imposés dans les pays où ces bénéfices sont réalisés au lieu de permettre aux grands groupes multinationaux et à d'autres d'échapper à l'obligation to escape their obligations to pay taxes. Je trouve d'ailleurs que dans les milieux politiques européens, on accorde insuffisamment d'attention à cette démarche de la Commission. Dans les temps français, qu'un braconnier comme Juncker ne serait pas à même d'apporter de l'ordre dans les paysages fiscaux européens, le contraire
Que nous sommes en train, Madame Vestager, qui est une commissaire excellente, à regarder de près, pays par pays, has decided l'influence que peuvent avoir les aides d'État dans ce cas illicite sur l'amélioration des situations concurrentielles entre pays. Vous avez vu les premières décisions qui sont tombées. La politique sociale est un autre élément d'importance lorsqu'il s'agit de décrire la démarche intégrale de la Commission. Vous avez vu les nuances sociales qui ont été introduites dans le cadre du semestre européen revisité, puisque nous l'avons changé. Vous auriez pu voir avec une attention accrue les initiatives qui furent celles de la Commission et donc de Mme Thyssen, qui a toute ma confiance et qui a toute l'ambition qui requiert d'aller le parcours de ses compétences, les initiatives qu'elle a prises en matière de chômage des jeunes et en matière de chômage de longue durée. Vous verrez en cours d'année que la Commission va repenser l'ensemble du système qui concerne la sécurité et la santé au travail. J'étais jeune ministre du Travail en 1986, lorsque les premières directives en matière de sécurité et de santé au travail, dans le cadre de la mise en place des marchés intérieurs, furent lancées par la Commission de l'Or. Nous avons revisité ces chantiers parce qu'il y a des éléments à revisiter. Nous allons en cours d'année apporter du contenu à cette notion qui est la mienne depuis le milieu des années 80. Apporter du contenu à cette notion de socle social minimum. Ce ne sera pas un poème, ce sera un corps de texte exigeant auquel, nous l'espérons, voudraient au moins se soumettre ceux qui ne cessent de réclamer au nom de la philosophie de base de leur groupe politique, ceux qui y croient. Nous allons revoir la directive détachement en cours d'année, chose difficile, entreprise qui, une fois encore, risquera de mettre à nu des différences géographiques au sein de l'Union européenne, mais on ne peut pas rester à l'État où nous en sommes. La même remarque s'applique d'ailleurs au paquet mobilité que Mme Thyssen est en train de concocter. Venons-en maintenant à la grande question des flux migratoires vers l'Europe. La Commission est depuis For several months now, the Commission has been working intensively on producing coherent and consistent European migration policy. To a large extent, we haven't really gone beyond attempting to do so. It's not that the Commission hasn't delivered, but a number of member states, I think, have failed to fully deliver or indeed to do what needs to be done. And I'm getting a little tired myself of constantly finding that the European Commission and the European Union criticized ne pas for faire the fact that not enough has allegedly been done. The Commission has done everything that could possibly have been done in very, very difficult circumstances, but a number of member states find it difficult, apparently, to implement en tant que decisions which they took themselves in the various councils of ministers. We're moving towards a serious crisis in terms of credibility if in 2016 we don't manage to do what impulses and indeed legally and politically we have resolved to do. It's simply not on that a commission proposal which is taken on board by Parliament
au sujet de la réinstallation des réfugiés ne soit pas transposée ensuite. Donc je n'abandonne pas les États membres de l'Union européenne. Who might now feel that they're moving in the right direction by saying we're not taking any refugees. We've got to convince them that this is a decision which has been taken and therefore requires implementation. Il faut maintenant mettre en œuvre les décisions qui ont été prises. Régulièrement, je rencontre les chefs d'État et de gouvernement et d'autres chefs d'État et de gouvernement au plan mondial. Et lorsque je rencontre le roi de Jordanie, par exemple, comme je l'ai fait régulièrement à Paris, ou je l'ai fait même à Bruxelles, et que je dois expliquer pourquoi le continent le plus riche d'Europe ne parvient pas à absorber le flux de réfugiés qui se dirigent vers il lui est facile de signaler que sont aussi nombreux que ceux qui vont en Jordanie. Je crois que nous devrions le montrer un peu plus modeste lorsque nous donnons des conseils de bonne gouvernance à d'autres pays du monde au sujet de la manière de traiter les personnes dans le besoin. Nous allons faire d'autres propositions dans le courant de l'année. Nous n'allons pas attendre, un accord spontané de certains États membres, mais nous ferons le nécessaire là où il le faudra. Schengen is one of the biggest achievements of the European integration process. Comme dans la tradition de l'intégration de l'Union européenne, sans la liberté de circulation des Européens, des travailleurs européens, l'Europe n'a pas de sens. Il y a un rapport intime entre la libre circulation, d'une part, la circulation des travailleurs, des voyageurs, d'une part, et l'union économique et monétaire. À quoi bon avoir une monnaie unique si nous ne pouvons pas voyager sur ce continent comme par le passé? Up to now, I don't want to over-dramatize this il faut surtout link, pas perdre but we've cela got to remember de vue. That it exists, nevertheless. And the il same applies to the link between Schengen, libre, freedom of movement, and the internal market, which is something we shouldn't go overlook either. Des individus. It's quite an amazing achievement personne. When you consider that these very, very close interlinks between Schengen and the European internal market ne parle de ce rapport entre Schengen et l'Union économique et monétaire. Il faut réfléchir au prix de car That's Schengen. That's what makes it so important to complete and indeed maintain the current level of internal market. If anybody wants to kill Schengen, off Schengen, ultimately what they are going to do is do away with risquera this single market as well. De mettre fin à l'Union économique et monétaire. And that's going to lead to et le problème du chômage in Europe, which will no longer be under our control. That will mean less Schengen means less employment, less economic growth. Il faut voir tous ces problèmes dans leur ensemble et dans leur rapport les uns avec les autres. Je peux vous donner quelques petits exemples. Small examples, for les contrôles aux frontières. En Suède, entre la Suède et le Danemark, Sweden par exemple, ils ont un prix. 300 millions d'euros. For these checks, I've reached 300 million euros already. The backlog, which has arisen because of the checks on this bridge. I mean, chaque fois que je fais des gestes, vous commencez à me photographier. Arrêtez. But I just do it once. You take your photos and then stop, so that we can hear what the president is saying. Maintenant, je vais me gratter. Donc, 300 millions d'euros. 300 million euros.
de perte de revenus. Costs. Sur ce pont. Backlogs. Entre le Danemark et, l'Allemagne, 90 millions de pertes de revenus pour le Luxembourg, il y a également des baisses des revenus. Il faut tenir compte que cela représente également des millions en transport routier. Cases of road transport every year, and we're talking about il faut songer également au temps d'attente aux frontières. Tout cela se chiffre pour les camions. Additional cost of 55,000 euros potentially per truck. 54 millions d'euros. That's a conservative estimate. Les contrôles aux frontières tels qu'ils font fonctionnent aujourd'hui, dans l'état actuel, it means that the overall de la situation, vont nous coûter 3 milliards d'euros. In Europe could amount si to 3 billion euros. Il y a 24 millions de voyages d'affaires par an au sein de l'Europe. Je crois que ça devrait nous ouvrir sur d'autres problèmes que les migrations. Il faut réfléchir à toutes ces conséquences. Si nous n'arrivons pas à maîtriser ce problème. Quant à la question des migrations, il va falloir procéder à la répartition des migrants. Certes, il faut continuer. On ne peut pas continuer à refuser la réinstallation de migrants dans certains pays. Il faut continuer à progresser lors du prochain Conseil européen, on le verra, on ne peut pas accepter cette absence de progrès, les reconduites doivent progresser. On doit reconduire ceux qui n'ont pas de droit à l'asile. Pour cela, nous avons besoin de la collaboration des pays tiers et nous devons donc signer des accords. C'est sur quoi nous sommes en train de travailler en ce moment, comme ça a été proposé à l'automne. C'était une liste de pays sûrs. Nous avons besoin de cette liste et le Conseil doit donc enfin adopter cette liste de pays sûrs. Nous devons dans les prochains mois présenter une proposition.
nous devons nous mettre d'accord sur un principe pour toute l'Union afin que ceux qui viennent chez nous ou qui, séjournent temporairement dans notre pays, aient la possibilité d'exercer un travail légalement plutôt que de séjourner sans rien faire sur notre territoire. Passent leur temps à ne rien faire pendant des mois, n'arriveront jamais à s'intégrer. And that's important if we want to protect ourselves also from all sorts of unpleasant things. We need a system qui aide les personnes à trouver un emploi et non pas les en écarte. Mais il s'agit aussi de parler franchement aux réfugiés. Il ne peut en être ainsi que ceux qui viennent en Europe déterminent qu'ils ont le droit de vivre où ils l'entendent en étant seul juge. Non, ce n'est pas possible. Ce ne sont pas les réfugiés qui sont compétents pour la répartition des réfugiés. Ce sont les États membres. Aucun réfugié n'a le droit de refuser de se rendre au lieu de résidence qui lui a été attribué. Et donc, sans doute, en début d'année, au printemps, nous allons devoir proposer une révision du système de Dublin, car le présent système ne fonctionne pas correctement sur tous les plans. Et il faudra une répartition de la charge. Tout le monde dit que Dublin doit être réformé, mais quand le moment... Interruption. Quand le moment sera venu, lorsqu'on fera ces propositions, on se heurte au manque de discernement par rapport à une nouvelle répartition des clients de Dublin. Passez-moi l'expression. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a ceux que j'ai mentionnés et ceux que vous connaissez. Il faut traiter de la question du Royaume-Uni. Les négociations ou les entretiens en sont arrivés à une période délicate. La Commission n'est pas partenaire de négociations dans cet exercice. C'est l'affaire des États membres. Les États membres sont en contact direct ou indirect avec les Britanniques. La Commission qui travaille dur sur ce plan est un important facilitateur. Nous émettons des idées, nous tentons d'encourager des processus, nous émettons des suggestions et toutes ces idées sont transmises à ceux qui sont directement responsables. Les questions mises sur la table par le Premier ministre britannique sont toutes difficiles. Ne croyez pas qu'une seule de ces questions serait particulièrement difficile. Bon, il y a d'abord la question du système social d'État-providence et que les autres points mentionnés par les Britanniques seraient moins importants. Ce serait trop facile de croire que sur les autres plans, on trouverait immédiatement les solutions. Ce n'est pas le cas. Je pense le rôle des parlements nationaux, le rapport entre les in et les out dans le cadre du système de l'euro. Tout ceci, c'est très difficile. Il faudra travailler dur dans les jours qui viennent pour en arriver non seulement à de nouvelles idées, mais à des accords. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je sais que nous allons devoir offrir des solutions. Je sais ce que la Commission fait. Et je crois que nous aurons un accord. Not a compromise, a pas solution. Un compromis, une solution. Not a weak compromise, a permanent solution. Donc pas un compromis faible, mais une solution permanente au mois de février. And then Poland. Alors la Pologne. Enfin, pour ce qui est de la Pologne. As far as Poland is concerned, I must confess, the current debate in Europe. Makes me sad. The Commission doesn't have a problem with Poland. Nous avons un problème
We have a problem with certain initiatives from the new Polish government. Let's not mix up Poland and the new Polish government across the board. I don't want Polish people to have the impression that all of the European Union is rising up against Poland. Poland is a country which inspires a great deal of respect and a great deal of admiration in my case, given the multiple martyrs again. Et vu le fait que le sort de la Pologne s'est souvent décidé par l'interaction pernicieuse de ceux qui pensaient pouvoir décider à sa place, que donc la Pologne nourrit une certaine fierté. So the fact that Poland feels a certain pride in its ability to resist is very understandable. And I'd like to say that Poland is an essential actor in the European Union, and in recent years their economic performance has been very impressive. Donc nous nous trouvons dans une phase que j'appellerai peut-être technique. Nous avons des doubts, comme certains. Nous vérifions si, oui ou non, ces doutes sont fondés. Nous sommes en dialogue avec la Pologne. Mon bon ami Franz Timmermans a écrit trois lettres aux autorités polonaises qui devront y répondre. Ensuite, nous verrons ce qui arrivera. Je crois qu'il est possible d'apporter des amendements à certains documents législatifs. Ça, c'est l'affaire de la Pologne et de l'Union européenne. Lorsqu'on dit en Pologne que ceci ne concerne que le législateur polonais et que ça n'a aucun rapport, quel qu'il soit, avec des compétences européennes, eh bien ça c'est tout à fait faux. Nous agissons dans le cadre du traité. Le traité a établi des principes clairs, et dans le cas de la Pologne, comme dans d'autres cas, au cas où d'autres cas se présenteraient, nous vérifions si oui ou non un État membre est toujours en conformité avec les exigences du traité. Le président suisse, je crois, attend. Margaritis, oui, mais ce n'est pas tout de suite. Quelques questions. Valentina, s'il vous plaît. Yes, Marina Popov with the Wall Street Journal. Two questions, oui, Wall Street Journal. Avec votre permission, je suis là devant vous. First of all, on Britain, what makes you so confident that there will be a deal in February? And secondly, on Poland, how far are you willing to go? Are you willing to go all the way to the procedure of Article 7? Vous prêt à invoquer l'article 7. Pour ce qui est de la Pologne, je répète qu'en ce moment, nous sommes dans une procédure de consultation et dialogue. Tant que ce dialogue se poursuit et tant que ce dialogue n'aura pas débouché sur des résultats tangibles, ce dialogue se poursuit de pair avec le Conseil de l'Europe et la Commission de Venise chargée de donner son avis sur des questions de ce genre. Cela n'a aucun sens, même si certains collègues dans le monde politique le font, d'attirer l'attention du public en Pologne et en Europe sur l'application de l'article 7. En ce moment, on est dans un processus de dialogue et de consultation, donc aucune raison pour s'engager sur le territoire de l'application de l'article 7. Si cela doit se faire, cela se fera, mais ce n'est pas mon hypothèse de départ. Nous sommes à un autre stade de la procédure. Pour ce qui est du Royaume-Uni, ce qui me permet d'estimer qu'un accord, une solution pourrait être trouvé en février, c'est mes connaissances qui me permettent de le faire. Herr Präsident, eine Frage zum EU-Türkei. Président, a question, President, on the EU-Turkey plan, which you didn't refer to in any detail. D'abord, two questions. First of all, how do you explain the resistance of the Italians to the 2 billion? Secondly, what does it mean for the implementation of the plan, since Turkey apparently is now sending refugees back to Syria? Je ne dois pas ici
commenter les actions de la Turquie en la matière. En ce qui concerne la réserve étonnante de l'Italie en matière de cofinancement pour les réfugiés syriens en Turquie, j'ai franchement du mal à comprendre. Mais ces 3 milliards sont nécessaires. Ils ne sont pas destinés à la Turquie, mais aux réfugiés syriens en Turquie. Nous ne disposons pas de l'entièreté de la somme pour l'instant, mais certains projets, les projets d'intégration de réfugiés syriens, d'ores et déjà, nous pouvons les entamer. Nous avons un financement, nous n'avons toujours pas les 3 milliards. Mais c'est une question de crédibilité pour l'Union européenne d'en arriver à cette somme. And I would assume that by the 26th, that the latest this will be the case. Que pour le 26 au plus tard, ce sera le cas. And, peut-être fin janvier. Fin février, by je me rendrai en Italie, be going to Italy because I also car je dois m'occuper de ce problème que l'atmosphère entre l'Italie mood, if you like, et between Italy and le reste de l'Union européenne, la Commission européenne n'est pas des meilleures. Moment, car il faut dire que l'Italie, souvent hors Commission européenne, est souvent très active. Monsieur Renzi se plaint toujours que je ne me sois pas encore rendu en Italie depuis que j'ai pris mes fonctions. J'ai fait une visite officielle bilatérale, c'était à Chypre, et j'ai toute confiance qu'au premier semestre de cette année, nous en arriverons à un accord définitif concernant la réunification de l'île. C'est ce que je souhaite. J'ai beaucoup de sympathie pour les Chypriotes. Je crois qu'il s'agit de personnes de qualité, instruites et dynamiques. Et j'aimerais qu'en 2016, ce sera l'année où nous pourrons résoudre une fois pour toutes la question chypriote. Mais au préalable, il faudra que je règle le problème avec nos amis italiens. Good morning, Mark Babelcorn, Forska Netherlands. It's about, je viens des Pays-Bas. Vous avez dressé un tableau très clair du lien entre la crise des réfugiés, Schengen, le marché intérieur et l'Europe. This is not new, the grim picture. So I have two questions. What are you going to do morose, that the heads of state and member states actually receive this wake-up call? And secondly, is there a clear deadline for you when they should start to act? For example, in spring, because then the weather gets better and new migrants in bigger amounts, bigger numbers could get in. Thanks. Could have been more active in recent months. Not member states, but a certain number of member states. I'm not accepting that some member states are saying that they are not willing to take in refugees in their countries. That's not possible. We are running the risk of a major reputation damage worldwide. I know what I'm talking about because I have the meetings with colleagues outside Europe. I have, and the European reputation entier, has been damaged by the way the Europeans were not weighing the problem of refugees to a acceptable solution for other countries, for ourselves, and for the people concerned. And I will draw the attention to j'attirerai l'attention là-dessus. We are the richest continent nous in the world. Sommes le continent le plus riche Everyone worldwide au monde. Is admiring Europe for its huge performances throughout history. And now we do appear as being the weakest part and the poorest part faibles. Of the world. That cannot reflect et the entireness of the European ambitions. Non, ce n'est pas une manière de démontrer l'ambition de l'Europe. Bonjour, Juan Sanet Velando. Good morning.
President, you talked about new crises which could be added to the list this year. Is Spain amongst them? Are you concerned about the possible lack of stability, problem forming a new government, and the movement for Catalonian independence? What would your advice be to Spain and to Catalonia to solve these problems? Well, if I give public advice, nobody ever listens to it. Dans des bureaux plus fermés, je dirais les choses suivantes. In perhaps more intimate surroundings, I think what I'd say would be that Spain, as rapidly as possible, because it's a member of the Eurozone, should have a stable government. I'm certainly not going to interfere in the detailed composition of the Spanish government, nor say anything about various movements in certain regions and provinces. I just think that Spain has to live up to its ambitions. Now, we've got the meeting with the Swiss president, Giovanna Zurich, and then we'll start. Giovanna Pancariska, Italy. Bonjour, Monsieur le Président. Vous l'avez en part touché, mais je voudrais aller un petit peu plus en détail. Récemment, le Premier ministre italien a remarqué que peut-être la Commission dernièrement, dans son histoire, il a eu des comportements différents à selon de l'État qu'il avait devant, en particulier pour ce qui concerne, par exemple, les questions électriques avec Gazprom, pour ce qui concerne les questions aussi d'environnement par rapport à Volkswagen, pour ce qui concerne, bien sûr, les questions plus récentes. Économique et aussi la crise migratoire. J'aimerais que vous pouvez, si vous pouvez, disons, me dire comment vous réagissez à ces types de remarques. Et une dernière chose, si je peux, sur les questions plus liées aux migrants. Vous avez dit, bien sûr, que la crise des réfugiés, c'était un événement exceptionnel que vous avez dû faire face cette année. Vous n'avez pas touché la question du terrorisme, mais j'imagine aussi que vous la considérez aussi un événement exceptionnel. Donc, je me demande si ce selon vous, c'est juste qu'on considère ces deux crises comme quelque chose d'assez important, assez nouveau, assez exceptionnel aussi par rapport au public de certains États membres et des dépenses qu'ils ont dû soutenir pour ça. Merci. De la question, madame, du terrorisme, évidemment, cela fait partie du cortège des très grandes crises. Bon, je ne voudrais pas qu'il devienne structurel, mais qu'il reste un phénomène passager, mais je suis moins sûr de mon propos que d'autres propos que j'ai pu avoir. Obviously, I'm less categorical on this than other issues I may have talked about this morning. So, the Commission has come up with a proposal to finance the fight against terrorism. And this is something we will be working on during the spring, because terrorism, fighting terrorism and money laundering, all of these issues require a shared approach. On Italy, my friend Matteo Renzi, well, I'm always rather reluctant avec la même vigueur dont on s'adresse à moi, parce que cela n'arrange pas toujours les choses. As one could be, because it's not always the best. Je pourrais vous faire une grande déclaration d'amour à l'égard de l'Italie, parce que j'ai été avec des Italiens et co-éduqué par des Italiens, parce que dans le sud profond, ils sont bourgeois, le sud industriel, la cohabitation avec les immigrants italiens était une intimité poussée. Je trouve, j'estime que le Premier ministre italien, dont vous savez que je le respecte, now you know that I have the greatest respect and indeed love for the Italian Prime Minister. And he does tend to wish to demonize and criticize the Commission. Je ne vois pas pourquoi il fait cela. Whenever he gets the opportunity to do so. I don't really know why he does this, but I left the stage of internal or domestic politics quite a while ago, so maybe I've lost a feel for the reflex of what happens internally, but I genuinely do feel that Italy should not be le problème n'est pas là, mais too ready to criticize the Commission. It's not that I don't accept criticism, but
en matière de surveillance budgétaire, une dose de flexibilité accrue contre la volonté de certains États membres, et non des moins, et notamment contre la volonté de celui dont il dit qu'il domine l'ensemble de l'Europe. L'Italie profite de toutes les flexibilités qui ont été introduites. J'ai été très surpris à la fin de la présidence italienne que Matteo Renzi ait dit au Parlement européen que c'était lui qui avait introduit la flexibilité. C'était moi, pas lui, avec son accord, mais c'était moi. Et l'élan qui m'a accompagné pour convaincre ceux qui n'étaient pas d'accord ne s'exprimait pas toujours dans les langues du Sud, croyez-moi. Et donc, je voudrais que sur ce point, on se tienne à la réalité et à la vérité. On insulte la Commission, enfin moi je fais le dos rond. Je mets ma rancune, mon irritation qui est grande dans ma poche. On cesse de penser que je serai naïf. Je ne le suis pas. Basically, naïf is something I am not. Yurek Kouchevitch ce soir. Monsieur le Président, les différentes crises qui se sont déroulées au cours de l'année passée ont montré sur différents dans différents domaines des divergences de vues, des divergences parfois fondamentales entre les groupes d'États membres sur différentes questions sur la COVID des réfugiés, sur ce qu'est la notion de solidarité, qu'il soit financier ou qu'il soit en matière d'accueil des réfugiés, de différences sur des questions de valeurs fondamentales. Ce sont des différences qui souvent opposent des groupes plutôt occidentaux d'États membres et des groupes plutôt d'Europe centrale ou de l'Est, mais évidemment la question du Brexit montre aussi une autre divergence. Est-ce que tout cela vous le mettez sur le compte de péripéties qui font partie de l'histoire de la construction européenne, ou est-ce que fondamentalement vous inquiétez d'un fossé de plus en plus grand entre un groupe de pays qui est plus pro-européen et d'autres qui voient l'Europe de façon différente? Est-ce que c'est un problème fondamental qu'il faudra traiter un jour, ou est-ce que tout simplement ce sont des péripéties? Et si je peux me permettre une toute petite question par laquelle vous pouvez répondre par oui ou non, vous avez insisté sur vous êtes félicité de la bonne coopération entre la Commission et le Parlement européen, et vous en créditez en particulier le président du Parlement européen. Est-ce que vous pensez que cette coopération et le rôle du président européen sont si importants qu'il serait bon, s'il le souhaite, qu'il poursuive à sa fonction après le mandat qui est prévu pour les deux années et demie suivantes. Lorsque je dis aux Néerlandais qu'il faudrait qu'ils fassent des gâches en matière de référendum sur l'accord entre l'Union européenne et l'Union européenne, on me dit aux Pays-Bas que je devrais me taire lorsqu'il s'agit de dire quelque chose qui peut être intéressant. I was told, to be, la même remarque, je ne suis pas d'accord avec la réponse de certains milieux néerlandais. I mean, I didn't totally agree with what certain people in the Netherlands said, and I'm grateful for those who spoke in my defense. But I certainly don't wish to meddle in the choice of the next president of the European Parliament. All I can say is the institutional interplay between the European Parliament and the Commission. Works. Par simple camaraderie, it's not just Schulz, it has to work, because if we're not moving in the same direction, then we'll derail the train. The Parliament is the other authority, has authority, and I'm sure there's the wisdom of the members of the European Parliament. I'm sure they'll take the right decision, and it's not just around the corner we're talking about. Sur la première question, 2017, j'ai parfois fait référence aux fragilités naissantes, parfois accomplies et assumées cracks de l'ensemble communautaire. Je reste sur ce point inquiet. Je reste sur ce point inquiet parce que plus que l'on l'avait pensé, alors que j'avais toujours comme un pressentiment, plus que l'on l'a pensé, les vieux réflexes existent toujours et les vieux ressentiments flottent à la surface. La forme de certaines explications qui émergent révèle rien d'autre que le fond. La forme,
C'est toujours le fond qui rendra la surface. Et donc, il ne faut pas trop s'occuper des formes, mais plutôt du contenu que ces formes d'expression et de raisonnement. I think what we ought to do is look very carefully at the form parfois, which this is taking. I sometimes have had the impression over the years that the broader Europe grew, then the more narrow people's focus was. Now, it's certainly not any sort of criticism of those who joined us. Now, apparaître, j'espère, paternaliste. I don't want to sound paternalistic about this, but we do have a new generation in charge of Europe. Il y a une nouvelle génération de ceux qui animent nos sociétés d'aujourd'hui. Il y aura 10 années, puisque le changement générationnel se fait très rapidement. Une autre nouvelle. Obviously, this is a rapid process, so then we'll have another generation que nous pouvons prendre appui sur les épaules. I said that we can stand on the shoulder of giants. Now, I don't think my generation has been a generation of giants. We've just inherited something, and we are quick to forget. We don't really have a deep knowledge of how bad things can go. But what are we going to pass on to the coming generations if we allow these challenges to persist without providing real answers to some of these justified and sometimes totally unjustified criticisms? I think if we fail here, then we'll be just setting the level for the future ambitions of the continent. Monsieur le Président, deux questions sur la Pologne. Bien sûr. Est-il vrai qu'au cours de la conversation téléphonique de mardi après-midi avec la Première ministre polonaise, vous avez suggéré qu'il n'y aurait pas de procédure contre la Pologne. Et vous avez dit que la Commission européenne n'est pas contre la Pologne. À Amsterdam, on dit qu'on ne s'acharne pas sur la Pologne. Mais c'est peut-être perçu différemment. Je vous pose une question. Compte tenu de l'euroscepticisme croissant dans les États membres, ne craignez-vous pas que les Polonais tourneront le dos à l'Union européenne? Merci. Bon, ça fait quand même deux ou trois questions. I said in French, I don't know if this has been translated properly, but in this house, the best. Alors, je l'ai expliqué en français. J'ai fait confiance aux interprètes qui ont dû le traduire. The security people. And at the very last end, you can imagine at the horizon someone calling himself spokesperson appearing somewhere voilà, in the sun. Le porte-parole. Lui-même. I was mentioning that I have a great admiration for the Polish nation, for the J'ai Polish people. That's not a joke. That's not a poem. That's history. Polonais. Everyone in Europe has to respect and to admire numerous and dramatic performances and successes of Poland. Les performances de la Pologne. I'm hesitating a little bit to comment on what I could have said to a prime minister on the phone. That's unusual, because normally au Premier ministre. You are not reporting from these talks. And when then, under the rules of a common agreement, I was saying to the Polish prime minister that the commission will take no decision, no new decision that would prevent no step into the direction of Article 7 and stuff like that. But I was very clear, publicly and privately, that we'll enter this new mechanism, the one introduced in 2014, which is a dialogue mechanism. And so I'm repeating that I don't want to dramatize this issue, but I want our Polish friends to nos take it very seriously, as we are doing. What was the second part of your question? What was c'était that? La deuxième partie de votre question. Il y avait une deuxième partie à votre question, n'est-ce pas? As far as I know, donc pour autant que je sache, it changes from day to day.
ça change d'un jour à l'autre, 80% des citoyens polonais sont favorables à l'adhésion de la Pologne européenne. Un grand avantage de sa participation à l'Union européenne, comme la, comme tous les nouveaux États membres. Nous devons prendre cela très au sérieux.